Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo, j'avais déjà essayé de la réaliser vendredi et je l'ai d'ailleurs réalisée, mais malheureusement, je n'avais pas eu le temps vendredi de l'uploader sur YouTube, donc je la réalise à nouveau aujourd'hui. Donc pour faire le point sur une petite expérience que j'ai menée du coup cette semaine, également pour vous annoncer ce que je pense être une bonne pratique très transparente, et enfin vous annoncer une petite surprise ensuite au cours de cette vidéo. Alors tout d'abord pour faire un petit point sur du coup l'expérience que j'ai menée cette semaine, à savoir de publier et de vous montrer mes résultats journaliers, quotidiens, à la fin de chaque journée. J'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous appréciez et si c'est une expérience que je pourrais réaliser à nouveau à l'avenir. Alors j'ai pas publié mes résultats, en tout cas des résultats tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout simplement parce qu'en 3 jours dans la semaine, j'ai réalisé une fois et demie mon objectif hebdomadaire, plus d'une fois et demie mon objectif hebdomadaire. Et lorsque j'atteins mon objectif hebdomadaire, j'atteins celui également mensuel. Et lorsque c'est le cas, et lorsque je le dépasse, etc., c'est ce qui me permet en fait d'en vivre, puisque lorsque j'atteins mes objectifs que je me fixe en termes de PIB, en euros, ça représente plus de un peu moins de 2 fois en net après impôt. Ça représente quasiment 2 fois ce que je dépense chaque mois. Et vu que je l'atteins quasiment tous les mois, mon objectif mensuel, eh bien, ça signifie que j'en vis. Voilà, je peux vivre du trading totalement et uniquement. Donc c'est quand même significatif cet objectif et je l'ai atteint en 3 jours. Comme on avait la BCE, la Fed, etc., pas mal de news en fin de semaine, j'ai préféré surtout observer et donc passer très peu de trades pour conserver tout simplement mes gains. Parce que je l'ai déjà dit, mais en trading, ce qui compte, c'est pas de gagner de l'argent sur les marchés, ça tout le monde peut le faire, même quelqu'un qui n'y connaît strictement rien. Ce qui est difficile, par contre, en trading, c'est de conserver ses gains, de ne pas les rejouer et de les perdre ensuite tout à fait bêtement. Donc ça, c'est quelque chose qui vient par la discipline et par le respect strict d'une méthode. Voilà. Donc j'aimerais tout simplement savoir si le fait de partager sur une base voilà journalière quotidienne mes résultats en intraday et scalping vous intéresse et si je pourrais éventuellement à l'avenir renouveler cette expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, je pense à l'avenir dès que j'aurai mon vrai compte intraday et scalping, puisque mon compte intraday et scalping habituel, je l'ai fermé il y a quelque temps pour rejoindre un nouveau courtier. Sauf que entre les deux, j'ai clôturé un compte de trading chez un courtier dont je ne citerai pas le nom pour ouvrir ce compte intraday et scalping chez un nouveau courtier. Par contre, mes documents n'ont pas été acceptés directement, donc ça prend un peu de temps. Mais je vais ouvrir de nouveaux comptes chez un autre broker. Prochainement, ce sera mes vrais comptes intraday et scalping. Là, pour l'instant, j'utilise FXCM. Mais c'est absolument pas le courtier que j'utilise normalement pour mon trading intraday et mon scalping. Donc voilà, j'attends d'ouvrir ce nouveau compte chez ce nouveau broker et à partir de là, je partagerai sur une base mensuelle mes résultats issus et dans le cadre de ma stratégie sur le DAX 30 notamment et également sur le Dow Jones. Voilà, donc chaque mois, en chaque fin de mois ou en début du mois suivant. Je pense, voilà, je réaliserai une vidéo où je vous montrerai le reporting fourni par la plateforme du courtier en question et je vous montrerai mes résultats, je vous montrerai la courbe de mon equity par exemple. Voilà, pour une transparence totale, je pense que c'est intéressant et également ça permettra de casser quelques tabous parce que vous verrez, pour certains qui croient que c'est ça le trading, vous verrez que je ne fais pas 300% par mois, tous les mois. Vous verrez ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une pratique du trading qui vise la régularité et qui vise voilà, à être très régulière mois après mois. Je pense que c'est très important. Enfin, dernière chose, la formation intraday et scalping dont je vous ai parlé sera disponible demain. Alors là, je suis en train d'analyser les marchés pour du coup préparer ma semaine et je réaliserai, je publierai. La traditionnelle analyse Forex, d'ailleurs, dès demain, le lundi matin, pour partager avec vous mes principaux plans de trading. Ici, vous voyez le NZDN, je vous en parlerai, mais vu mes tracés graphiques, je pense que vous pouvez déjà avoir une petite idée de ce qui va en ressortir. D'ailleurs, si on va en mensuel, voilà, c'est relativement intéressant.
Bref, je vous parlerai ça dans une vidéo distincte. En attendant, voici l'espace formation donc, que j'ai réalisé pour vous. Vous voyez que on va aborder donc l'introduction à la méthode en elle-même et le money management et la psychologie qui font partie des ingrédients indispensables à un trading gagnant. Cette formation ne sera pas que théorique parce que la théorie seulement ne permet pas, tout simplement pas, de gagner sur les marchés. Et moi, j'ai pas envie de vendre quelque chose qui va, voilà, simplement faire que vous serez content, vous aurez fait un achat, vous aurez consommé, mais ça vous aura pas avancé pour gagner sur les marchés. Donc j'ai vraiment envie que pour tous mes élèves, même ceux qui prendront pas la formule coaching, il y ait un suivi derrière, il y ait vraiment un accompagnement collectif pour ceux qui prendront pas la formation coaching, mais qu'il y ait quand même un accompagnement de qualité pour vous permettre ensuite d'appliquer la théorie. Donc la méthode, en tout cas la partie théorique de la formation, ne représentera qu'une petite partie, et une toute petite partie de l'ensemble de la formation. Bon, dans la partie théorique, je peux vous le montrer, voilà, dans l'introduction à la méthode, on verra par exemple voilà quelles sont les composantes de ma méthode pour que vous compreniez comment fonctionne chaque indicateur et chaque critère d'analyse que j'utilise. On verra donc les critères majeurs, donc là c'est quelques critères, on va dire, divers. On va voir l'analyse graphique, l'action du prix, ce qu'est un système de trading, comment ça marche, et puis on verra les indicateurs que j'utilise dans le cadre de ma méthode et la façon dont on peut les utiliser, les combiner, etc. etc. Ensuite, voilà, dans la méthode, on verra vraiment mon arbre décisionnel, on verra tout ce genre de choses, on parlera money management et psychologie. Et je réaliserai également dans le cadre de la formation des séances de trading live qui seront faites pour la plupart en live devant vous, où je traderai en intraday et en scalping. Il y aura des trades gagnants, des trades perdants, ce ne sera pas les résultats qui compteront, ce sera la mise en pratique tout à fait concrète de la méthode enseignée, c'est-à-dire que dans les enregistrements de trading live, vous me verrez devant mes graphiques appliquer la méthode que je vous aurai enseignée sur un plan théorique, ce qui vous permettra, je pense, sur un plan pédagogique, de vraiment savoir comment passer de la théorie pure, c'est-à-dire voilà, on a tel setup, etc., etc., et donc on fait telle action, on ouvre une position, on gère de telle façon, tous ces critères et cette formation purement théorique. C'est trop théorique et il va vraiment falloir, en tout cas c'est une exigence pour moi, que je vous donne toutes les clés pour passer de la théorie à la pratique pure et quotidienne pour tout simplement apprendre à trader. Je pense que c'est tout à fait indispensable. Donc il y aura cette partie trading live et également tous les week-ends avec tous les élèves, on organisera des des sessions de coaching collectif où j'analyserai avec vous pour la semaine suivante tous les marchés qu'on suit de façon très approfondie et j'en profiterai donc pour répondre à vos questions, voilà, pour éclaircir les points qui ne seraient pas tout à fait clairs pour certains, et également j'en profiterai voilà, pour faire à chaque fois, toutes les semaines, un plan sur la méthode. Je pense que c'est très important ce type d'encadrement. Et également une surprise pour vous, puisque on a fait en sorte que vous puissiez accéder gratuitement à la formation vidéo, et il y aura également du coup une réduction pour la formation coaching, que vous puissiez accéder gratuitement à la formation vidéo en passant par un courtier partenaire que vous découvrirez du coup demain. Je pense que c'est pas mal parce que du coup ça vous permettra de vous former sans débourser le moindre centime. Ce courtier est tout à fait régulé, il n'y a pas de souci par rapport à lui, ce sera un courtier CFD. On va travailler éventuellement avec un autre courtier dont on vous parlera éventuellement plus tard. Ce courtier sera également compatible avec Jarvis, donc ça sera pas mal. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis du coup à demain matin pour l'analyse Forex. Et à demain après-midi pour le lancement de cette formation qui, je pense, permettra à beaucoup d'entre vous de devenir gagnants et d'assimiler une méthode de trading structurée et vraiment complète. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et passez une très bonne fin de week-end. Bye.